Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour parler. Donc aujourd'hui, si on est content, Albino, c'est pourquoi? Parce qu'on a fait 1 million de vues et ça continue de monter. Hein. On se dirige vers les 1 million de... T'inquiète. Donc ça, c'est incroyable. On a seulement 10 000 abonnés. On arrive à faire 1 million de vues. Alors, même pas, parce que la vidéo, on l'a fait dans la précipitation. Du coup, il n'y a pas énormément de pub. C'est vrai. Vous pouvez aller voir. C'est moins de 8 minutes. Mais elle nous a quand même rapporté un petit bibi. Merci Thibaut, merci Juju. Et merci à toute la team chef. On va aussi remercier notre communauté, l'AFF, qui a accepté qu'on fasse un peu de buzz. Voilà, parce qu'on vous l'a clairement dit, lorsqu'on met Thibaut, ça clique, c'est pour ça qu'on l'avait fait. Ça a marché, coup de paupière. Bien sûr. L'AFF fait un petit trou dans le feed game, et nous, quand on nous ouvre une porte, on rentre dedans. Ouais. Bah nous, on abuse. Là, ça va être la troisième vidéo sur le sujet. On continue, on espère refaire un hold-up tout cassé. Un deuxième million de vues, ça serait bien. On essaie de le refaire, mais on a besoin de vous pour ça. Donc regardez la vidéo entièrement pour essayer de recréer. Et l'hype autour de la vidéo. Voilà. La mise en avant, le référencement, voilà. L'argent, le bif. Non, pas ça. Et surtout, on va aussi dédier cette vidéo qui a fait 1 million de vues. Yes. À qui? Au roi du buzz en prison, Marvel Fitness. Voilà, parce que le million, il l'avait jamais fait. Donc on est fiers de l'avoir fait. Il l'avait jamais fait. Je pensais qu'il l'avait déjà fait. Je crois que dans le fitness, à part Bodytime, il n'y a que nous qui a escroqué tout le monde. On est trop chaud, gros. Le gros escroc du monde. Et on va lui dédier cette victoire parce qu'il est toujours en prison actuellement. On entend moins parler sur les réseaux. Nous, on essaie de le faire vivre au travers de nos vidéos. Et du coup, petite pensée pour lui, cette victoire, elle est aussi pour le Wakanda. Donc c'est un intro comme des gens, on était joyeux, malaisants, mais joyeux. Et pourquoi? Parce qu'ils ont... Ils l'ont annoncé ou pas? Ils l'ont annoncé. Je te demande, ouais. Mais nous, on a des infos que vous n'avez pas. Pourquoi? Parce que Pimous, lui, c'est un ami proche de Thibaut InShape. Et bien il est sûr, invité au mariage, bien évidemment. Et s'il nous invite pas, on y va quand même. Hein. Non, mais de toute façon, je crois qu'il cherche des gars pour la sécurité. Vous avez vu les gros bras. Donc, on vous le dit clairement, leur dispute, c'était un fake. Bah, ça, il n'y a plus de doute là-dessus. J'ai vu pas mal d'abonnés de la Team Shape qui étaient inquiets sur leur relation. Mais c'est dingue comment ils sont derrière eux aussi, solidaires à se dire qu'est-ce qui se passe, c'était un beau couple et tout. Nous, mes abonnés, ils en ont rien à cirer. Si on se sépare demain, ils en ont rien à cirer. Ils vont dire chaud. Je vous rassure, pour tous ceux qui prenaient cette histoire à cœur, faut pas oublier que la Team Shape, c'est des petits jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes. Donc on va les rassurer là-dessus. Ils sont toujours ensemble ils préparent un mariage. Donc comment on est au courant? Premièrement, parce qu'on a été invité au mariage de Thibaut. Donc, bon, pas vraiment en fait. On va être honnête avec nous. Mais Thibaut, on attend l'invitation. Je pense que tu nous aimes bien. J'ai déjà passé dans ces vidéos. Ça fait une sorte de petit bonhomme musclé. Tu vois, je sais pas. Je trouve que ça fait stylé. Le packaging est beau, c'est vendu. Dites bravo Camille en commentaire. Je te propose de respirer, de me dire ce que t'en penses. De toute façon, espérons que ça sent aussi bon dans le shaker après. Sans la framboise, le gâteau à la framboise. Ça a l'air grave. C'est pas dégueulasse. Je crois que tu vas avoir des gros biceps. Monsieur, votre cocktail, je vous laisse checker ça. Très beau checkage. Ah ouais, carrément. Ça sent bon. Wow, on est déjà passé dans ces vidéos, tu nous as laissé gratter un petit peu ton buzz là sur ces deux clashs. Bien sûr. Donc il n'y a pas de souci, on attend ton faire part et on sera ravis d'y assister. Bien sûr, j'espère qu'il y aura à manger. Hein. Parce qu'on a faim. Aussi, il a mis dans ses stories sur Instagram, il a mis qu'il y avait une annonce qui allait sortir. C'est vendredi 18h, donc c'est vendredi 18h qu'on saura que Thibaut va demander Juju Ficat en mariage. Est-ce que vendredi on ferait pas une réaction à l'annonce? Non, stop. On fera un vlog du mariage par contre. Et il a mis une photo devant un château. Et dans sa story, il y avait un château et tu m'as dit il y a beaucoup d'événements de mariage dans ce château. Voilà, si vous regardez sur Instagram, cliquez sur le nom du château, vous allez voir qu'il y a énormément de mariages qui s'y font. Donc moi j'attends avec impatience la vidéo, la demande en mariage de Thibaut. Qu'est-ce qu'il va faire avec tout l'argent qu'il a? Franchement, toi, ça fait 10 ans que t'es en relation, moi, pareil. Une si t'avais autant de millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais à ta femme? Qu'est-ce que je ferais à ma femme avec des millions d'euros? Il m'a dit je la change. Oh le bâtard. Comment ça? Quel enculé. C'est faux, hein. Honnêtement, je pense que j'aurais genre privatisé Disney et j'aurais fait déballer une pancarte « Veux-tu m'épouser ?» d'en haut du château. Elodie, on va charbonner sur FF et ça arrive. Allez, mets-moi dans la mer. En plus, Thibaut InShape, c'est un fou.
Il y a beaucoup d'imagination, donc ouais. À mon avis, il lui prépare quelque chose d'énorme. Comme mes biceps. Et toi, tu m'as pas dit par contre, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Parce que c'est bien de demander à moi, mais moi je veux savoir, toi, tu penses qu'il va faire quoi? Moi, si j'étais à sa place. Toi, si t'étais à sa place. Tu sais ce que je ferais si j'étais à sa place? Non, toi, t'es un mec bizarre, je le vois déjà, tu vois. Des fois, elle serait contente, hein, vraiment. Mais de toute façon, je vais lui faire, donc vous verrez ça. Eh ben, dis donc. Abonnez-vous. Non, je sais pas là, pour l'instant, ça me vient pas, mais. Ah, tu peux faire des dingueries. J'ai déjà vu des demandes en mariage, c'était des trucs de fou. Je sais pas si tu l'as vu la vidéo où c'est un mec, il reçoit sa copine en haut d'un immeuble. On sent que c'est romantique, une ambiance romantique et tout. Ouais. Et d'un coup, il se met. Ça va aller vite l'histoire, parce que déjà, je la raconte très mal. Ouais. Mais d'un coup, il se met à sauter de l'immeuble. Donc la meuf, elle est en panique et elle court pour aller voir ce qui se passe. Et en fait, lui, il a sauté, il a atterri sur un truc assez mou. Ouais. Il est sain et sauf. Ouais, je vois. Et il y a un message en bas, c'est écrit veux-tu m'épouser. Donc un là, l'ascenseur émotionnel, il est énorme. Sa femme, elle a dû le défoncer. Ouais, par contre, ouais, non. Non, c'est mauvais en vrai. C'est mauvais bail, mauvais bail. Sinon, après, peut-être très simple, hein, très classique, il va juste poser un genou à terre et la demande en mariage. Alors, en fait, ma chérie, je voulais te dire que. Oui, oui. Quoi, oui. Je suis mélassé, qu'est-ce qu'il y a? De malade, je peux te demander un mariage. Mais bon, vu qu'ils ont beaucoup d'abonnés comme ça, et qu'ils qu'ils marquent le coup. Ouais, et en plus ils aiment bien partager ces choses-là avec leurs abonnés. Je pense que vous aurez une vidéo là-dessus, la Team Shape. Je pense aussi. Dites-nous vous en commentaire quelle idée vous aurez pu faire à votre femme, à votre homme. Les femmes elles demandent en mariage. Ouais, ça arrive, elles ont des couilles. Hein. Nouveau monde. Donc dites-nous vous vos idées que vous aurez pu faire ou ce qu'ils vont faire eux. En commentaire. En commentaire. En commentaire. Ils vont pas le mettre dans la description, c'est nous là. Ils vont pas nous envoyer une lettre, c'est fini tout ça. Un mec ou pire. Et surtout les gars, likez cette vidéo, ce serait énorme si avec notre petit nombre d'abonnés, on refait le million. 10 000 quand même et on vise les 100 000. 12 600. Ça monte très vite depuis que la Team Shape est avec nous. N'hésitez pas les gars, on veut faire parler nous. Faites le buzz une deuxième fois sur FF. On va retaper les 1 million de vues. Exactement. Donc likez la vidéo fort. Commentaire, abonnement, cloche des notifications. Très important. Et aussi, allez voir ce qui se passe sur notre chaîne. Parce que on vous incite autant, si on surfe sur la vague là, du buzz, c'est simplement pour être vu. C'est pour se mettre en avant, bien sûr, c'est normal. On sait qu'on fait du bon contenu. Donc allez voir notre chaîne YouTube. Vous ne serez pas déçus si vous voulez des gros biceps comme ce monsieur-là. Mais après, arrête de me chauffer, toi. Il prend pas les produits que tout le monde. Je parle même pas avec toi. Je peux même pas discuter avec toi. Donc, si vous voulez des gros muscles, si vous voulez vous amuser avec la musculation, on est les prochains. Exactement. C'est quoi la devise de Fitness Fusion déjà? Vous êtes les meilleurs. Tu veux que je te gifle? C'est pas ça. Mais gros, ça fait 3 vidéos. Non. Ils veulent des muscles et tout. Alors, c'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio. Range. Force et fun. Là, on a fait le taf, là.